tu vas mettre un mètre par un mètre par un mètre. C'est juste quelque chose dont tu as besoin de logiciel pour à peu près voir ce qu'il va garder comme information. C'est-à-dire que si je lui mets 10 mètres par 10 mètres, il va numériser toute la pièce. Ouais. Mais Marianne, elle va apparaître peu résolue, si vous voulez. Il va y avoir peu de points 3D qui vont être gardés pour faire la numérisation 3D. Alors que c'est une personne très résolue. Absolument. Donc ce que je vais faire, c'est que là, j'ai pris un mètre par un mètre par un mètre. Il a la tête, une grosse tête. D'accord. Voilà. Une fois qu'on a choisi ça, bon, on a deux, trois paramètres éventuellement à modifier, mais là je ne vais pas les modifier. On va faire start. D'accord. Donc Marianne, tiens-toi droite. Voilà. Voilà, installe-toi bien. Il ne faudra pas que tu bouges pendant la numérisation. D'accord. Donc tu me dis quand tu es prête. Ouais. Allez, on y va. Hop. Donc là, je vais me mettre devant elle. Voilà. Et je vais tourner tout doucement autour d'elle. Je ne vais pas la numériser en entier parce que ça prend un petit peu trop de temps. Voilà, je fais stop. Là, on voit le résultat de la numérisation. Alors, on voit Marianne et puis ça a numérisé aussi un peu Yann, on voit derrière, bien sûr. D'accord. Et ce que vous voyez ici, là, je vais essayer de vous le montrer, là, cette espèce de truc, là. Je ne sais pas comment, si je peux zoomer, ouais, si je peux zoomer comme ça. Là, vous voyez. Ça, en fait, c'est la Kinect. Vous voyez, il y a une trace, là. Ça, ce n'est pas des points 3D, en fait, c'est le déplacement de la Kinect. C'est-à-dire que la Kinect, en fait, va faire une numérisation 3D. Et à partir de la numérisation 3D, le logiciel calcule la position de la Kinect.